est simple d'être sauvé. Le salut est simple, mais pas bon marché. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le prix payé pour que le salut nous soit offert gratuitement. Par cela, Dieu l'a rendu accessible à tous ceux qui le désirent. Si le salut pouvait être reçu sur la base de l'éducation, des multitudes seraient exclues. Si la vie éternelle pouvait se faire sur la base de la richesse, un grand nombre serait encore laissé de côté. Si être sauvé dépendait de la perfection morale d'une personne, tout le monde échouerait. Dieu a rendu son salut disponible au moyen d'une foi personnelle en Jésus-Christ que même un enfant peut exercer. De cette façon, tout le monde est considéré au même niveau aux yeux de Dieu. Tous doivent venir à lui selon la même condition, la foi. Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Comment est-il simple d'être sauvé? 1. C'est aussi simple que d'entrer par une porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, le verset 9. 2. C'est aussi simple que d'appeler à l'aide. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, le verset 13. 3. C'est aussi simple que de venir quand on t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. 4. C'est aussi simple que de recevoir un cadeau. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23. 5. C'est aussi simple que de boire de l'eau. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean chapitre 4, le verset 14. 6. C'est aussi simple que de manger du pain. Jésus dit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Jean chapitre 6, le verset 33. 7. C'est aussi simple que de croire en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 47. 8. C'est aussi simple que de proclamer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus, je te prie de faire à haute voix cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai dirigé ma vie par moi-même. Faisons ce qui est mal à tes yeux. Et je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Précédemment dans Majabou Talent. Nous voici à Mbujimayi. Voilà. Je m'attends à avoir des grands talents ici. L'apparence peut-être être trompeuse. Oh, la gloire. En tant que disciple de Jésus, je ne pouvais pas manquer à ce grand appel. Majabou, ce n'est pas tout simplement un concours, mais c'est aussi dans la présence de Dieu. Il faut y être et édifier l'église corps de Christ. Voilà. Après avoir vibré au rythme du volcan Nirangongo, la ville de Goma va vibrer au rythme de Majabou Talent.
les candidats ont retrouvé leur voix. Pour eux, une nouvelle aventure musicale commence. Spécialement pour cette ville volcanique, des nouveaux membres du jury font leur premier pas dans l'aventure. Leur mission, dénicher les talents de cette ville. Bonsoir. Reconnaissez-vous cet endroit? Bien sûr que oui. Je suis au pied du magnifique volcan Nyiragongo, qui malheureusement, il y a quelques semaines, a coulé et a causé les déplacements de plusieurs milliers de familles. Mais nous, à Majabu Talent, rien ne nous arrête. Aucune catastrophe ne peut nous empêcher d'exprimer notre passion, notre amour pour la jeunesse de la République démocratique du Congo et particulièrement pour la jeunesse des Goma. Vous l'avez compris, ce soir, Majabu Talent est à Goma. Notre venue à Goma, c'est également une occasion particulière pour surprendre notre public. Et vous aurez l'occasion de découvrir, dans l'émission de ce soir, dans la peau des membres du jury, quelques-uns des binômes de nos ambassadeurs que je vous laisse découvrir dans cet élément. Des nouveaux coachs rejoignent la compétition. La famille s'agrandit, l'équipe s'enrichit, mais l'objectif reste le même. Partager les rêves. Pour le grand show, les ambassadeurs vont travailler en duo avec d'autres artistes talentueux exceptionnels. Le pasteur Mike Kalambay travaillera avec le pasteur Laure Lombo. Lorsque des talents s'associent et mettent ensemble leurs expériences et expertises, ça donne certainement des merveilles. La sœur Sandra Mouyi sera en duo avec le pasteur Yannick Toumba, auteur de Gratitude et Bomo Yassika et d'autres tubes à succès, vient apporter sa touche et partager son expérience avec les candidats de Majabu Talent. Une troisième équipe sera co-dirigée par deux étoiles montantes de la musique gospel congolaise, à savoir l'ambassadrice Rosny Kaiba et le frère Sylvain Kachila. Conducteur de louanges et d'adoration, Sylvain Kachila revêt plusieurs casquettes. Chanteur, compositeur, interprète, arrangeur et tenez-vous prêt, c'est sûr qu'avec eux, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. La sœur Déborah Lukalou va retrouver Michael Mbunzama. Les deux personnalités ne sont pas du tout étrangères l'une de l'autre. Michael fut directeur vocal et artistique du concert Call Me Favor de Déborah Lukalou. Michael, pour son grand retour aux sources, compte bien faire profiter de son expertise aux jeunes talents congolais. Aux côtés de la coach Harley Bisseye, vous retrouverez le coach Steve Mike Footy, arrangeur, compositeur, interprète, conducteur de culte. Ensemble, ils vont polir et façonner les futures voix du gospel de la RDC. Spécialement pour les auditions de Goma et Bukavu, vous retrouverez certains de nos nouveaux coachs dans la peau de membres du jury. Et ce n'est pas tout. Nous avons pioché une perle rare, étoile montante du gospel congolais et servante de l'éternel, la sœur Cassie Kalala est aussi de la partie. Riche en styles musicaux, R&B, soul, zouk, rumba, gospel, auteure et compositrice de plusieurs chants, dont Nouveau Départ, Cassie compte bien tout mettre au profit des candidats de la compétition Majabu Talent. Retrouvez-nous chaque samedi à 20h, heure de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et nos chaînes partenaires pour des moments formidables autour d'un divertissement sain. Vous les avez découverts. Même si les membres du jury ont changé, la compétition elle reste la même et les règles restent les mêmes. Les rouges, l'orange ou les verts. Êtes-vous prêts pour Goma? Mesdames et messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue à Majabu Talent. Nous sommes au Nord Kivu, précisément à Goma. Batoto Bagoma, Jambo Yenu. Bonjour Coach Charlie. Bonjour Maman Anto. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je peux dire que je vais bien, mais il y a une partie de moi qui me manque un peu. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as pas constaté qu'il y a quelque chose? Oui, on n'est qu'à deux, hein. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors j'aimerais bien qu'on salue ces personnes qui sont très importantes pour nous. Oui. Bonjour Papa Mike. Papa Mike. Maman Sandra. Maman Sandra. Ah, Déborah. Et je vais finir avec la précieuse. Oui, Rosny Kaiba. Recevez nos salutations. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. Vous nous manquez. Et vous nous manquez énormément. Oui. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on ne sera pas seul. Ah, moi aussi, ça me rassure. Hein. Ah oui. Oui.
Comme on l'a dit, il y a des grandes surprises. Des très bonnes personnes vont nous rejoindre sur ces plateaux. Et oui. Je sais que déjà, ils attendent voir, parce oui. que c'était déjà annoncé. Oui. Est-ce que je peux les appeler déjà? Mais moi, je pense ou oui, qu'on hein. prenne encore un peu de temps? Non, on y va parce que les gens sont impatients. Qu'on y aille? Là. On y aille. Ok, alors je vais appeler le pasteur Yannick! Yannick Ntumba. Ntumba. Il est le pasteur Yannick, il chante, il est le compositeur. Coach Charlie, bonjour. Bonjour, pasteur. Je chante, tout simplement. Bonjour, pasteur Yannick. Bonjour, maman Anto. Je suis dans la joie de te recevoir sur ce plateau, Mahjabu Talent. Moi également. Et je sais qu'ils sont nombreux à te voir aujourd'hui. Nous vous saluons aussi. J'en profite aussi pour saluer les ambassadeurs, le pasteur Mike, maman Sandra, la sœur Déborah et la sœur Rosny. Nous vous aimons beaucoup et nous comptons sur votre appui mm-hmm. pour relever ce défi. Alors, je vais accueillir le deuxième coach. Je vais citer le coach Michael. Il est si beau, tout beau. Bonjour, coach Michael. Bonjour, maman Anto. Ici, on dit Jambo. Jambo Enu. Jambo Sala. Abari. Mzuri sana. Ok, tu es là à Mahjabu Talent. Comment tu trouves notre plateau Mahjabu Talent Goma? Ce cadre est magnifique. Le plateau est très, très beau, maman Anto. Merci. Je sais que de là où ils sont, ils voient comment on a arrangé ces plateaux pour nos candidats qui sont si précieux pour nous. Et dans quelques minutes, vous allez recevoir notre premier candidat. Mais avant de passer au candidat, nous avons quelqu'un de très spécial pour nous, notre invité du jour, ici dans la ville de Goma. Je cite « Maman Kasi Kalala Chimpi !» Ouh, elle est si belle, elle est belle, elle est... Compositrice, conductrice de louanges. Elle a pas de micro. Bonjour, maman Cassie. Bonjour, maman Anto. Je suis heureuse de te recevoir sur ces plateaux Mahjabu Talent. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Est-ce que tu sais que tu es assise c'est à ma place? C'est ta place. J'aime bien ma place, tu sais. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je vais juste dire à ceux qui nous suivent que j'étais juste ici pour quelques minutes. Je vais lui laisser ma place parce que c'est elle notre guest de ce soir et elle mérite de la prendre. Oh. Alors je te la laisse. Merci. Oh, maman Anto. Eh bien, je commençais déjà à m'habituer à travailler avec maman Anto, mais finalement c'est avec Cassie que je vais travailler ici. Alors Cassie, oui, prête à relever le défi? Ce sera une tâche très difficile qui nous a été donnée. Ah ça. Mais on est prêt. Je pense qu'on va relever le défi. Voilà, on va relever ce défi. Alors place aux auditions. Je m'appelle Nicole Ngabo et je viens de Himbi 2. Bon, je chante depuis que je suis trop petite dans les Kodim. Je dirais depuis que j'avais 6 ans, je chante. Bon, batuba mingi wanzaka niambia que mina imba ka bien. Nani kitu mina skiaka inani jenga nani inantia moyo kufanya tena plus. Maajabu kwangu ilikuwa ndoto yenye nimefikia leo, ni furaha. Sababu wakati bali lancer bakasema ni concours itaanza vraiment nikasikia que c'est comme si biko na niambia mie na nikafurahia sana nikaanza déjà que je préparer na kama leo imefika mna participer vraiment nashukuru sana Mungu. Nicole Capitou. Alors tu nous viens d'où, Nicole? Je viens de la commune de Goma. De Goma, ok. Oui. Dans quel quartier? Quartier Himbi 2. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu es sûre de toi? Oui, je suis sûre de moi. Ok.
comme tu es sûre de toi, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui. Je préparais la chanson de Sony Badou, We're in your late train. Voilà. Ok, nous t'écoutons. Ok. We're in your presence, little train, pour your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain, pour your rain to fall on me. We're in your presence, let it rain. Merci. Mais est-ce que tu peux rechanter cette même chanson à deux gammes de hauteur? Ok. Essaie. Let the train pour your rain, let it fall on me. We merci, merci Nicole. Merci Nicole. Merci Nicole. Orange. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va. Vous êtes prête? Oui. Dites-nous, comment on vous appelle? On m'appelle Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique, ouais. Magnifique qui? Elle va nous faire quelque chose de magnifique. Espérons. Ouais. Espérons que ce que vous allez nous donner est magnifique comme votre nom. Ah, je l'espère aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Je vais chanter L'Éternel est bon de Dena Moine. Ok, L'Éternel est bon. Magnifique. Faites-nous entendre quelque chose de magnifique. D'accord. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger et de mon côté, même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Merci, magnifique. Merci beaucoup. Vous chantez dans la vie, vous chantez? Ouais, je chante à l'église. À l'église. Et vous êtes choriste, vous êtes leader? Alors, je suis soliste. Vous êtes soliste? Ouais. Ok. Le conseil que je peux te donner, c'est de travailler encore un peu plus. D'accord. La maîtrise de ta voix en tant que soliste, c'est vraiment important. Merci. Que tu puisses avoir plus de précision lorsque tu chantes. Je ne sais pas si Papa Yannick
a quelque chose à rajouter. J'ai trouvé que tu as osé au fait. Tu as juste osé. Mais tu n'as pas travaillé sur ce pourquoi tu devais oser. Ce que maman Cassie te dit, c'est d'aller perfectionner. Parce que moi, j'aime ce côté-là. Tu vas perfectionner ce que tu cherches à atteindre, mais travaille d'abord. Coach Charlie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à lui donner comme conseil. Ben, en fait, vous avez dit vraiment l'essentiel. Est-ce que je peux tout simplement demander à Magnifique, comme dit le nom de Magnifique, de plus articuler quand tu chantes, ouvre. Ne t'écoute pas trop, parce que moi j'avais l'impression que tu chantais, tu cherchais dans ta tête les résonances. Donne, chante parce que tu dois donner, que les gens écoutent ce que tu chantes. D'accord ? D'accord. Merci. C'est quand même différent de comme quand je chante à la maison ou avec des amis, mais bon, il y avait quand même un peu de stress, mais ça va. Voilà, j'ai donné ce que j'ai pu donner et bon. Oh, Yves Moïssa. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, oui. Tu as bien dit très bien. Oui, très bien. Alors tu vas nous surprendre, j'espère. Et souriant. Ouais, c'est une bonne chose. J'aime ton attitude, déjà que tu es très bien. Alors fais-nous quelque chose de très bien. D'abord dis-nous, tu viens d'où? Commune de Goma, quartier Katindo, avenue du Lac. Ok. Oui. Et qu'est-ce que tu as prévu chanter ce soir? Un morceau juste. Je ne connais même pas le... Mais un morceau. Oui, juste un morceau. Un morceau qui est très bien. Oui. Ok. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre. Merci. Yves, tu peux me proposer quelque chose autre que ça? Oui. Oui, oui, je crois. Vas-y. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burden be, then I am still and wait here in the silence until you come. Il y avait vraiment du stress, mais on a quand même chanté, j'ai quand même chanté. J'ai donné ce que j'ai pu donner, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je crois que je ne peux qu'attendre le résultat. Orange. Je suis Chico Djunga, je suis de Goma. Bon, je pense qu'il n'y a pas une grande différence, c'est presque la même chose entre chanter devant le public et dans une compétition. C'est la même chose, si du moins on reste naturel, c'est la même chose. Chico Djunga, bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Si, je vais bien. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? J'interprète Persévère du frère Olivier. C'est une très belle chanson. On espère que tu vas aussi la chanter merveilleusement bien. Si, on par t'écoute. La grâce, bien sûr. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais, tu sors de tout ton être. Que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Oh, persévère. Merci. Merci Chico Djunga. Bon, je puis donner le meilleur de moi-même. Je fais ce que je sais faire. Ouais, c'est un peu ça. Orange. Mon nom c'est Nadège. J'habite ici à quartier Mapendo, avenue Kisangani. L'artiste qui m'inspire à faire la musique gospel, c'est Marie Misamu. Donc, lorsque la maman chantait, vraiment je me sentais bien. Elle me donnait donc l'envie donc, de me plancher dans la musique gospel. Je suis très contente de participer dans des éditions Majabu parce que ça me donne aussi, premièrement, le courage de bosser et de me connaître moi-même. Iko expérience, il y en a ni permettre ni mieux ni plus mais j'ai pas nuire alors, je peux les dire. Donc Majabu pour moi, c'est une grâce de Dieu pour moi de me connaître davantage. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Nadège Kalumbi. Nadège Kalumbi. 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 Ok. Oui. Nadège Kalumbi, tu habites dans quelle commune? Dans la commune de Karisimbi. De Karisimbi? Oui. En fait, il y a combien de communes à Goma? Il y a la commune de Nyiragongo, commune de Karisimbi. Tu ne connais que deux communes? Il n'y a que deux communes? Bon, d'accord. Toi, tu es de Karisimbi. Qu'est-ce que tu as prévu interpréter ce soir? Reconnaissance de maman Marie Misamu. D'accord. Bose kanga ite pona zana biblia na maboko Esika nyoso na kokende Kombo ya nzambe na monoko nangayo oh. Basali ya nzambe oyo baza kote abiso tango nyoso Boyebite nini oyo nzambe Asale la bango po basale la kaye eh. Oko monanga etango nyoso na nzela kaka ya eklezia Oyebite nini oyo nzambe Asale langa po na sale la kaye Angayo o Nazali reconnaissante, yeah. Makambo asale langa ya minene bako yo. Merci Nadège. Merci Nadège. La coach Charlie a déjà levé une enveloppe que tu iras prendre. C'est rouge. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? Christian. Christian comment? Christian Arousima. Ok. Vous venez de quelle commune? Commune de Goma. Ok. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter aujourd'hui? J'ai préparé la chanson It is well with my soul. On n'a pas entendu. It is well with my soul. Ok. Tu es sûr de ton choix?
très sûr. Ok, on t'écoute. Oui. On t'écoute alors. One piece like a river, I turn left with my way. One sorrow's like sea below throne. Wherever my love how has known me to say, it is well, it is well with my soul, it is well. Oh. With my soul, it is well. Est-ce que tu n'as pas un autre registre? Une autre chanson? D'autres registres que un autre registre. Bon, je peux essayer un autre. Ouais. Ça vient toujours pas? Ça vient. Ok. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, si la mer c'est de chaînes. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Merci. De l'amour. Papa Yannick. Déjà que je sens que tu ne contrôles pas ta voix, c'est ta voix qui te gère. C'est-à-dire quand tu arrives à gérer ta voix lorsque tu es dans les graves, mais quand tu quittes les graves que tu es en train de créer là, tu n'arrives plus à gérer ta voix. Et triste à voir. Coach Charlie. En fait, je veux dire à Christian, quand tu es en train de chanter comme ça avec ta langue, comme si tu avais des patates douces chaudes dans la bouche, on ne va rien comprendre. D'accord. Rien du tout. Laisse ta langue tranquille. Chante calmement. Tu verras qu'il y aura. Tu as mis tellement de pression. Contrairement à certains dont je demande souvent d'utiliser leur langue pour ne pas trop contracter leur corde vocale, à toi je demanderais laisse ta langue tranquille, laisse-la. Tu chantes comme quelqu'un qui parle longtemps l'anglais. Moi je parle pas l'anglais, je sais même pas. Donc là, fais un effort. Il n'a pas dit. Non. Il n'a pas dit. Chante comme tu parles. Premièrement, j'ai fait ce que j'ai préparé. Ça je fais. Ah bon. J'ai exécuté le morceau, c'est tout. Les résultats. Oh. Orange. Bon, je ne suis pas du tout satisfait parce que ma vision, mon ambition était le vert. Oui, mais malheureusement. Mais quand même, ça va. La prochaine fois, je sais que, avec. Bon, vu les corrections qu'ils m'ont donné les coachs, je vais essayer un peu de mettre ça en application et de voir comment m'améliorer. Et aller aussi de l'avant et voir si à la prochaine j'essaierai à la hauteur d'atteindre le verre. Je vais le faire dans la tonalité des la. Oh yo sali ele que lingai l'amour. I can go link I yang go nata toli yo so sali na pomoi nanga yang go na yepi sa nanga
Zalana ngae Zalana nga Zalana ae Mosu sute kakase Fada, pembeni na yo, na umelai, Yahweh. Na lingina fada, pembeni na yo. Merci. Merci beaucoup. Amon Kassi. Pimer, le conseil que je peux te donner, tu sais, j'aimerais te dire, il y a des gens quand ils chantent qui ne font pas forcément des variances. Enfin, quand je parle de variances, c'est les vibes. Tu en as fait, tu vois, mais déjà, tu n'as pas la maîtrise des vibes. Et ce n'est pas parce que forcément que tu fais des vibes quand tu chantes que ça veut dire que tu chantes bien, tu vois. Et ce n'est pas parce qu'on met beaucoup de vibes qu'on embellit la chanson. Au contraire, le fait de trop en mettre, des fois, on abîme la chanson. Et tu peux aussi chanter « Salananga, salananga, salananga ». Zalananga. J'ai pas mis de vibes. Je n'ai pas été vraiment trop satisfait, mais quand même, ça s'est bien passé. Quand même, ça s'est passé. Oui. Bon, j'avais un peu peur, un peu stressé, mais quand même, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux pour faire quelque chose. Ouais. Oh là là, rouge. Bon, je ne suis pas déçu, c'est la volonté de Dieu. En fait, bon, c'est une chose aussi dans la vie. En fait, je ne suis pas vraiment déçu. Comment ça va? Ça va bien. Tu te sens stressé, hein? Pas du tout. Pas du tout? Ouais. Ok. Comment on t'appelle? Je m'appelle Fabien Bouroumé. Fabien Bouroumé? Yes. Ok, tu viens de quelle commune? Je viens de la commune de Goma. Ok, qu'est-ce que tu as prévu interpréter ce soir? Je vais vous chanter Dieu est capable. D'accord. Tu es sûr de ton choix? Bien sûr. Ok, tu as le micro. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, merci Fabien. Oh, merci Fabien. Fabien, présent. Quand tu chantes, est-ce que tu as mal? Pas du tout. Ok, c'est vrai, c'est important. C'est l'un des critères avec lesquels on vous cote, l'expression. Oui. Ok, il faut vraiment nous donner envie et nous transmettre quelque chose. Là, j'avais l'impression que tu avais très mal quand tu chantais. Il a dit pas exactement, c'est-à-dire qu'un peu. Donc pas. Ok. Donc prochainement, si tu nous reviens, fais attention à ton aperture. Oui. Comment tu te présentes. Et le micro, là, pour un chanteur, c'est ça même notre instrument. OK? Il faut faire attention. Il faut savoir gérer. OK? Quand tu donnes fort, tu recules légèrement. Quand ça va un peu plus bas, tu avances près du micro. Je m'appelle Fabien Bouroumé. Je viens de la commune de Goma, quartier Kichero. Bon, la musique gospel dans mon quartier n'a aucune valeur. Parce que je vis dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont profanes. Donc, pour eux, la musique gospel
ou des musiques même chrétiennes n'ont rien à faire chez eux. J'exerce la musique pour évangéliser, pour prêcher le monde. Rouge. Depuis que j'étais toute petite, j'adorais chanter et j'ai voulu faire de ça un métier pour moi. Ouais. Un jour, j'avais chanté à l'église et j'avais reçu un cadeau. Mon tout premier cadeau, c'était grâce au chant. La compétition Madiabou est un cadeau pour moi, une opportunité. Bonjour. Bonjour. Tu réponds au nom de ? Priscille. Priscille comment ? Fatembo. Fatembo. Tu viens de quelle commune ? La commune de Goma. De Goma. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Priscille ? Olinginga Mingi de Papa Deningonde. Très bien. Alors, nous t'écoutons. Yozali Zambé Namawa Ngaina Tato Lingolu Nayo Bolingo Nayo Ponanga Etindi Nagumba Melayo Yozali Zambe Namawa Ngaina Tato Lingolu Nayo Bolingo Nayo Ponanga Etindi Nagumba Melayo Merci Priscille. Merci Priscille. Tu iras auprès du coach Michael. Il te remettra une enveloppe. Orange. Je m'appelle Julie Mukuta, je viens de la commune de Karisimbi. J'avais entendu des rumeurs, à ce qui paraît, je peux dire pour moi, ce sont des stars, des kins. Ils ont organisé des compétitions pour sélectionner les talents, donc ça m'a intéressée. J'ai aussi fait une vidéo et j'ai envoyé au numéro. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Comment on vous appelle ? On m'appelle Julie Mukuta. Mukuta, ok. Oui. Tu viens de quelle commune ? Commune de Karisimbi. De Karisimbi. Oui. Et tu as prévu interpréter quelle chanson ? J'ai prévu d'interpréter la chanson de Maman Sandra Mbouy, Ozali et Long. Ok. Ok. Je peux ? Oui, vas-y. Ozali posa oyo esila kate Yonde yo sili saba posa nyonso ya mukili Ozali posa oyo esila kate Yonde yo sili saba posa nyonso ya mukili Yozali makasi na ngai tango na limbi Yonde osilisa mayele ya moini satana Ozali makasi moto makasi na ngae Yo bundela nga bitumba oyo na ebi moto na makolote Nakulala na kimya na kulamuka pe na kimya pona ebi Yo mobundi molongi
na kolala na kimia na kola muka pe na kimia pona yebi yo mo bondi molongi yo zali elonga yo zali elonga nangai yo zali elonga. Personnellement, j'ai beaucoup écouté des chansons, surtout celles que je viens d'auditionner. C'était ça ma façon de me préparer, mais aussi spirituellement, j'ai beaucoup prié. Que Dieu me fasse grâce, une fois arrivé devant les coachs, devant les juristes, que je puisse aussi être sélectionnée, vu que ça a toujours été mon rêve. Orange. Je m'appelle Glorieuse Kasongo Waminifu. Je suis de Goma, dans la commune de Goma, quartier Himbi. Bon, ces moments, je l'ai rêvé pendant longtemps. Donc, je m'attendais un jour qu'on fasse une compétition gospel. Grâce à Dieu, Dieu m'a écouté et a amené ma Diabo vers nous. Pour moi, c'est une très belle expérience, une bonne chose. Pourquoi? Quelque chose que je rêvais pendant longtemps, enfin se réaliser. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. Moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Okay, vas-y, pousse plus loin, pousse plus loin. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Hey, 'cause all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, hey, I will sing of your goodness of God. Merci, Glorieuse. Wow. Glorieuse. Présente. Ça va? Ça va. En tout cas, très belle prestation. Merci beaucoup. J'aime la manière dont tu projettes la voix et ton assurance quand tu chantes. Merci beaucoup. Oui, c'était une très belle prestation. Merci. Mais ta voix m'a semblé être fatiguée. Ok. Tu as une écharpe avec toi? Écharpe? Un foulard? Non. Oui, ici à Goma, il fait frais. Et en ce moment, déjà, la température, elle est froide à l'extérieur. Oui. Il est préférable pour toi d'avoir une écharpe autour de ton cou pour protéger tes cordes vocales. Parce que là, on sent, elles sont endormies. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, c'était pas facile. C'est comme si tout ce rien a tombé sur ma tête, mais ça va quand même. Je me suis reprise et tout va bien. J'ai aimé vraiment. Bon, on le remarque que c'est pas que mes cordes vocales ont été froides. Et mon conseiller de mettre une écharpe à chaque fois que je voudrais sortir, surtout pour venir prester ou n'importe où, que je dois le mettre pour garder mes cordes vocales au chaud. Bon, Orange.
Non, c'est pas à ça que je m'attendais vraiment. Dans ton silence majestueux, ton léger tout murmure m'incite à te connaître, précieux Adonai. Ta présence me suffit, ton silence me séduit. Tu as changé ma vie, précieux Adonai. Aïe. Tu me guides sur ce chemin, tu me tiens par la main, tu assures mes lendemains. Précieux Adonai, oh, oh, Adonai, mon Seigneur. J'étais stressée, je ne sais pas vraiment, j'ai senti une peur vraiment monter dans moi que je ne sais pas vraiment comment expliquer. Et même jusqu'à maintenant, je continue à trembler. Oh, c'est rouge. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux tourner ton macaron? Oh, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Alice Moussavouli. Alice. Quel âge as-tu, Alice? 18 ans. 18 ans. Ouais. De quelle commune tu nous viens? La commune de Goma. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as préparé pour aujourd'hui? Je vais faire oui, prends tout, Seigneur. Donc, ok. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre, car je connais. Merci beaucoup, Alice. Alice, tu as une très belle voix. Ma seule critique, c'est que tu vas devoir travailler sur ton vibrato. C'est la façon dont tu fais vibrer ta voix, là. Quand il y en a de trop, ce n'est plus beau du tout. Je voudrais vraiment que tu fasses un effort pour travailler sur ton vibrato et ta façon dont tu respires. Tu respires toutes les deux syllabes. Il y a des mots, tu dois faire un effort de le chanter sans respirer au milieu. Okay? Alors si tu nous reviens prochainement, retiens ces deux critiques, ta respiration et ton vibrato. Okay. Merci beaucoup Alice, tu peux te diriger vers la coach Charlie
tu trouveras la réponse du jury. Pour moi, personnellement, c'était une journée... Le climat était trop froid le matin et mon Dieu, je me demandais comment ça va se passer parce que souvent quand il fait froid, la voix n'est pas bonne. Mais bon, Dieu a fait grâce et il y avait beaucoup de stress surtout. Même en arrivant là, je tremblais tellement. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne dirais pas que j'ai donné le meilleur de moi, mais j'ai donné ce que Dieu m'a permis de donner aujourd'hui. Alors. Orange. Bon, je ne suis pas satisfaite, mais gloire à Dieu. Bonjour Benjamin. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Je vous ai préparé une chanson, Gratitude, de Yannick Tomba. Très bien. En tout cas, j'espère que tu seras à la hauteur de l'auteur de cette chanson. Oui, je l'ai. On t'écoute. Izala kanga ikobika lokola mutuna pasi. Na bwaka maka lokola matiti zanga mutuya. Gakana natina tana mitema bato. Na bwaka maka lokola mwana nzanga baboti. Na bwaka maka lokola mwana nzanga baboti. Ata na miso ya bato na zanga kitina. Solo na yenga ki na lobwaka basusi. Na poto poto elo kwa pama na zalaki. Na bwaka maka lokola mwana nzanga baboti. Hata na miso ya bato na zanga kitina. Solo na yenga ki na lobwaka basusi. Na poto poto elo kwa pamba na zalaki. Merci Benjamin. Tu peux te diriger vers la coach Charlie. Tu trouveras la réponse du jury. Que Dieu te bénisse. Dans la salle des auditions, c'était vraiment calme. Malgré que la compétition c'est toujours stressante, mais je crois que ça va aller. Même si tu es calé dans n'importe quelle circonstance, tu es maestro, quoi. Quand on appelle une compétition, c'est une compétition. Il y a la peur qui est là, il y a le stress qui est là. Je n'ai pas oublié les notes, mais quelques paroles de la chanson, ça m'est évaporé dans la tête. Je me suis dit, là, maintenant, moi, je plane. Rouge. Comment vous appelle? On m'appelle Marie-Ange. Marie-Ange a toujours été froide? Non, non. Il fait froid? Elle est timide. Oui, elle est timide? Oui, un peu, quelquefois. Bah, écoute, là, on te donne pas le droit d'être timide. Hein. Ça va? Ça va très bien. Tu as quel âge? J'aurai 22 ans en décembre. En décembre? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as prévu chanter? La chanson de Sandra Mbouillé, Napesi Zela Namotema. D'abord, est-ce que tu es de Goma? Non, je ne suis pas de Goma. Maman Sandra, coucou. À toi le micro. Yozali mokola bolingwa vinanga ye, na yonde na komyo yo na zale loyo. Musika no bomoi nange ko beba na boi na zala complice bo baby nanga moko masia yeswe yozali mokola bolinga vinanga ye na yonde na
comme yo yo na sale lo yo musika na yo bo moi na nga eko beba na bo ina zala complice li baby na nga moko masia yesu na pesinte la na motemelo ba e oyo nyonso e bombeli otile lo yo li bo so ya kiti angolo na yo e Alo bezangateo Na pesinde la na motemelo bae Oyo nyonse bombeli otilelo yo Merci Marie-Ange. Je choisis cette chanson parce que cette chanson valorise ma voix et je me sens à l'aise quand je chante cette chanson. Je cherche toujours à imiter maman Sandra parce que je n'ai pas dit que ma voix est comme la sienne, mais j'essaie un peu d'essayer un peu d'imiter sa voix. Rouge malheureusement. Je ne suis pas déçue, je suis d'ailleurs contente parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver ici. Hein. Mais je suis quand même très contente d'avoir essayé. Ça valait le coup d'essayer. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonna. Je sais comment trouver du temps pour toi et au milieu de la pagaille, car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice tout à toi. Je me donne tout à toi, tout à toi. Ok. Élie. Présent. Tu as une belle voix. Merci. Tu as une belle voix. Alors, la coach Charlie a une enveloppe à te remettre. Tout à toi, je me donne tout à toi. Bonsoir. Bonsoir. J'aime ton sourire déjà. Merci. Comment ça va? Je vais bien. C'est quoi ton nom? Grace Chimanga. Grace Chimanga. Grace, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai totalisé 20 années. Aujourd'hui? Oh. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, grâce. Joyeux anniversaire. C'est notre cadeau. Alors, fais en sorte que tu nous pousses à te donner un second cadeau. D'accord? Alors, notre premier cadeau n'était qu'un aperçu. Le second cadeau dépend de ce que toi, tu nous donneras. Quelle est la chanson que tu vas interpréter? Jésus est ressuscité de Marie Missam. D'accord. À toi de jouer.
Na libomu ya mama Yesu Kristo na yebaki yote o vinangai na yokana lukombo yote Yesu kokola nangaye babete langali solo yote papa nanzela nangai Yesu ngana kutani na yo Yesu ngana kutani na yo Yesu ngala kutani na yo Yesu Kristo okoti na motema yo fandi papa nangaye ozuye sika yo fandi ozuye siko fandi na motema esiko ozuye na motema yo fandi bomo inanga Yesu Kristo ekomi kotalela kaka yo Bomo ilanga Yesu Kristo e komi kotale la kaka yo Bomo ilanga Yesu Kristo e boy kotale la bato amokili Bomo ilanga Yesu Kristo e komi kotale la kaka yo Papa nazela nangaye Yesu ngana kutani na yo J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton amour Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence Car nous vivons dans ce monde plein de troubles Nous vivons dans ce monde plein de souffrances Nous vivons dans ce monde plein de crises Merci, Merci beaucoup Grâce Présente La coach Harley a quelque chose à te remettre Ah, elle te fait un sourire, waouh! Voici le cadeau. Faut danser, c'est ton anniversaire. Danse. Orange. Jabu talent. Au juste, je suis venu pour que Nami n'y en ait qu'un partout. N'y en ait qu'un au Congo, n'y en ait qu'un. Donc, Ami, on est talent. Donc, Kenyan d'avoir à faire ce que je suis capable de faire. Comment t'appelles? Living Muneza. Pardon? Living Muneza. Ok, tu viens de quelle commune? Commune de Karisimbi. Karisimbi. Tu as quel âge? 24. Ok. Tu as prévu chanter quoi ce soir? En fait, moi, j'ai fait la capella. Donc, je vais faire dans 30 secondes la capella et puis le monsieur va m'accompagner après. Sans problème, sois libre. Oui. Bah, et j'aimerais que quand tu vas faire ça, que tu vives. Parce que déjà, en parlant, tu nous fais peur là. Ça va? Ça sois va. Détendu. Tu stresses? Non. D'accord. Sois détendu. Osala manka,
Merci, merci Living, mon Neza. Tu sais que maman Sandra ne suit. Hein? D'accord, on va faire ceci. Tu vas regarder cette caméra-là et tu vas dire bonjour à maman Sandra. Vas-y. Bonjour, maman Sandra. Ensuite, tu iras chez la coach Harley prendre l'enveloppe qui te concerne. Merci. Et le pouch, 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 c'était pour pas chanter avec. Le pouch, 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 c'était pas pour chanter avec. Présent. Le pouch, pouch que tu avais fait avant là, c'était pas pour chanter avec. Oui, c'était avec. C'était une démonstration. Oui. Ok. 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 D'accord. Merci pour la démonstration en tout cas. Merci. Moi j'ai fait la capella, donc c'est ma musique, c'est pour cela que je ne peux pas quitter là sans toutefois faire ça à capella. Ah, rouge. Ce qui a manqué, Sikuingia muta bien, donc nilikuwa napotea sana. Ndio maana nilikuwa vile. Jinangu Queen Birego, natokea quartier Himbi 2. J'ai voulu participer parce que d'abord c'est l'expérience que j'aurai. Et j'aimerais aussi que, je ne sais pas, peut-être qu'avec ma vidéo, j'ai pu avoir quelqu'un qui voudrait faire un contrat avec moi, tout ça. Alors, ça. Queen, tu es sûre que tu vas chanter? Oui. Tu es prête à chanter? Oui. Alors, tu as prévu chanter quelle chanson ce soir? La chanson, c'est Rise Up. Ok. Rise Up, yeah. Ok. Ouais. Bon, tu as le micro avec toi. Si, quand tu es prêt, tu y vas. D'accord. You've broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can find the fighter. But I see it in you, so you go walking down and move mountains. You go walking down and move mountains. And I rise up, rise like the day I rise up. In spite of the ache, I'll rise up and I'll do it a thought they ain't time to get. And I rise up high like the waves. Queen, est-ce que tu peux changer de chanson? Changer la chanson. Propose-nous quelque chose autre que ça. D'accord. Zambé mon néné. Atonda nanguya, abate la kangai, nami pepe mabe. Zambe monene, mobikisi nangai, yemakasi nangai, libela kumama. Zambe monene, 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 monene. Merci Queen. Queen, tu dégages déjà quelque chose avec ta voix, sauf que tu dois beaucoup travailler. Tu dois encore beaucoup travailler. Il y a beaucoup de choses que tu dois avoir, tu dois connaître et puis tu dois maîtriser ta voix. Mais déjà, tu es sur un bon chemin. Et si tu continues à travailler, tu seras une merveille pour l'église de ce pays. La coach Harley détient une enveloppe que tu iras prendre.
contenant la décision du jury. Nilisha Dilimba, mais comparativement à Gisimina Imbaka, c'était pas mal. Pas mal. Nilikwa stressé, premièrement. Nilikwa vraiment stressé. Le choix de la chanson aussi, ça m'a un peu compliqué. Encore plus grave, ça Nilifika. Nilia Zaimba, j'étais vraiment trop stressée. Juré. Kanambia que ni changer Nimbo. Donc tout ça, ça jouait sur ma psychologie. Voilà. C'est rouge. Je m'appelle Sifa Mouniri. Je suis de Goma, précisément dans le quartier Kishiro. Mes impressions par rapport à Madia Boutalent à Goma, j'apprécie surtout l'organisation, façon ils gèrent les choses, façon ils font, en fait tout ce qu'ils font, c'est waouh, c'est parfait, que je me dis waouh, ils sont organisés, j'aime Madia Bou, j'apprécie. Je voulais participer parce que c'est un cadre qui réunit autant d'artistes. Et ici, ça nous donne aussi l'opportunité de nous connaître avec non seulement les artistes d'ici à Goma, mais aussi les artistes qui viennent de l'extérieur, comme les artistes de Kin. Pour moi, c'est un grand privilège de voir certains artistes que je vois à la télévision comme ça en face. Moi, ça me va. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Tu viens de quelle commune? Pardon? Tu viens de quelle commune? Commune de Goma. Commune de Goma. Ouais. C'est quoi la chanson que tu as prévu chanter ce soir? Now Behold. Ok. Tu es prête à représenter Goma à Malaika House? Ouais. Tu es prête à défendre Goma? Ouais. Alors, quand tu es prête, tu peux déjà commencer. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, burden to sin that I may live again. He the precious Lamb of God. Yeah. Oh, 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 Namo kili nazana bakamara de bele kasi soki nazange nazali susune lo kote babengane bakei moseka hey. Parce que l'intérêt n'était que le matériel, ma vu que toi Yahweh c'est le vrai amoureux bolingone yo immeuble. L'amour inconditionnel, Jésus, mon meilleur ami. Oh, oh, oh. Tu as fini? Mon meilleur ok, ami. Sifa, merci. On ne t'avait pas dit stop. Merci. Ah, okay. Merci. Merci. J'espère que Coach Charlie a quelque chose à dire. Au fait, c'est Sifa. Oui. Sifa. Sifa, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les chanteurs, certains chantent, quand ils doivent chanter en anglais, ils ont l'impression que quand je fais la langue comme ça, je chante bien. Là, tu n'articules plus, on ne comprend plus rien ce que tu es en train de nous dire en anglais. D'accord? Même en français aussi. Même quand tu as chanté la deuxième chanson de la sœur Rosny. D'accord? Tu vas tout simplement travailler à la maison en chantant, en laissant ta langue tranquille. Contrairement à certaines personnes à qui je demande autre chose, mais à toi, je demande seulement, laisse ta langue tranquille et chante, articule. Regarde-toi dans le miroir, demande-toi, est-ce que ce que je fais est bien? Et après, le soutien. Le soutien, c'est la manière dont tu te poses et que tu demandes que ton corps participe. D'accord? Ton corps doit participer pour faire vibrer tes cordes vocales qui sont tes muscles et pour que ton organe qui est ta voix puisse donner le meilleur. Ouais. D'accord? Ouais. Tu as retenu? Travaille avec la langue tranquille. Ok? Bon, pour moi, je crois que ça a aidé. C'est une surprise, je ne sais pas. Moi aussi, j'attends ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh! C'est orange.
Comment tu t'appelles? On m'appelle Charité. Charité. Oui. C'est un beau prénom. Charité Nguessera. Ok. Je suis venu de Béni. Oh, un candidat de Béni. Tu es le premier. Ah, merci beaucoup. Ok. Alors, nous saluons le peuple de Dieu à Béni, toute la population de Béni. Nous vous aimons beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Oh, merci beaucoup. Surtout papa Yannick. Oh, que Dieu ça. Te bénisse pour tout ce que tu fais. Amen. Arrête ça, je vais fondre. Charité, dis-moi, tu as d'abord quel âge? J'ai 24 ans. Ok. Et tu as prévu nous donner quoi ce soir? Ce soir, je préparais gratitude. Ok. Bon, papa Yannick, vous suivez, hein? Ok. Ezalaka ngai kobika lokola mutu na pasio. Nabwaka maka lokola matite zanga mutu ya. Baninga pe bande konanga ba sundola kingaye. Nazala kate na moto alukata kosalisa ngai. Na bwaka maka lokola mwana zanga babotie. Ata na misu ya batu nazanga kitina. Solo na ingaki na lobwa kwa basusi. Na poto poto elo kwa pamba na zalaki. Na uti mosika na fulu yolo kutio pesiti na e. Nanya kukaka kulinganga lukula yo masia nanga yesu e. Tala na zange lukwa kupesa yo kolo maboko polele. Merci Charité. Merci Charité. C'est Orange. Je m'appelle Ange Sarah et je vis ici à Goma, je viens de Le Volcan. La musique est tout pour moi en fait. J'aime trop et je sens comme si c'est, je suis née pour ça en fait. Voilà. Ce qui m'a motivée, c'est la passion que j'ai. L'amour que j'ai pour la musique. Je chante pour Dieu, je chante pour moi aussi. I put you in front of my melodies. You were all the matters. You were all that matters. I'll make room for two, you and I, Jesus. You were all that matters. You were all that matters. Oh, merci Anne-Sarah. Merci aussi. Merci Anne-Sarah. J'ai eu peur. La peur. Au fait, avant, j'étais en train de chanter les avant-midi, je me disais ça va aller. Et quand je suis arrivée devant les caméras, waouh, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur.
même dans ma voix, je sentais moi-même que j'avais peur dans la voix. Ça fait 6 ans que je ne chante pas. Et même à la chorale, je ne dirais pas que j'ai chanté, je travaillais quoi. Genre, les chorales, parfois tu peux chanter, mais sans travail, mais genre. Alors je ne sais vraiment pas ce que j'ai comme résultat. Mais le talent, quand il est là, il est là. Hein. Bon là, je m'attends à tout, au fait. Je sais bien que le travail n'a pas été vraiment mon côté fort. Donc je n'espère pas gros, bien grand. Si ça ne passe pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Ah ben, j'ai en orange. Déborah, oui. Ça va? Ouais, c'est comme ça que je suis quand je suis. C'est comme ça que tu es. Alors Déborah, ouais. Quand tu chantes, tu vois, quand tu chantes, tu dois faire un effort d'écouter l'instrument. J'ai kiffé en gros, genre être devant ce genre de personnes qu'on voit souvent à la télé. Et quand je suis arrivée, on m'a dit trucs genre « tu ressembles à Cassie ». Ça m'a fait peur et quand je suis entrée là-bas, j'ai un peu paniqué, quoi. Ben, j'ai fait face au pasteur Yannick Tomba, c'est ça. C'est grandiose parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Parce que je n'avais rien préparé en venant ici. Et j'ai juste donné ce que j'avais. Et j'ai hâte de voir le résultat. C'est raté. J'ai un rouge. Ben, c'est rien de grave. Au moins, je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je vais réussir. Daniel Mouissa, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Aujourd'hui? Oui. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Daniel. Joyeux Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Voilà. Voilà. Je voulais que tu te sentes à l'aise. Vraiment. Alors Daniel, propose-nous quelque chose. Tu vas nous proposer quelle chanson? Chanson Bwana Mungu na Shanga Kabisa. Ok. Oui, oui. Quand tu es prêt, tu commences. Bwana Mungu na Shanga Kabisa. Nikifiki rigisi ulivyo nyota nuru
na vitu vyote pia viumbwa vyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. D'accord, est-ce que tu peux élever un peu la note? Oui. De 3. Jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Merci Daniel. Mimi naambia Mungu abariki sana parce que nilikuwa niko na stress, mais gizi nilifika na gizi walianza na mie, nikajisikia vraiment niko à l'aise. Vraiment, c'est tellement bon. Hein? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça va lisikia ile, mbo wakanimbia, tukacheza, c'est tellement ça. Oh, c'est rouge. Jocelyne Bitibou. Yeah. D'accord, Jocelyne, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu viens de quelle commune? Commune de Goma. De Goma. Yeah. Alors, Jocelyne, tu as prévu de chanter quelle chanson ce soir? Namakase Nangaité. D'accord. Mais est-ce que tu peux te détendre parce que je te sens un peu. Ah, ok. Tu peux faire un deux pas juste pour être. À moins que tu sois déjà à l'aise. Oui. D'accord. Namakase Nangaité. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namulimo na yonzambe, yangu nyoswe koki. Namakasi nangaite, nanguya nangaite. Coach Mike. Coach Michael. Non. Jocelyne. Présente. Je suis là. Ici. Ok, je veux que tu reprennes la même chose sans faire aucun ad-lib. Sans aucune vibe, sans aucune variation. Ok? Emmanuel. Ouais, tu peux commencer. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namulimo na yonzambe, yango nyoswe koki. Merci. Je veux que tu te coaches toi-même par rapport à ce que tu viens de faire et ce que tu as fait avant. Qu'est-ce qui est mieux? La première. Jocelyne. Sincèrement, je pense que tu as mieux chanté maintenant. On sent que tu as les vibes, tu en as, mais il faut faire attention à les faire correctement. Okay? Et puis, ne pas trop les faire, parce que quand tu en fais trop, ça dérange. Oui, mais c'est... Coach Mike, fais-lui répéter le slogan. Ok, Jocelyne, tu vas dire après moi, la beauté se trouve dans la simplicité. La beauté se trouve dans la simplicité. Wow. Ok. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Continue à être simple, chante simplement. Ah, ok.
Et quand plus tu chantes simple, plus tu chantes belle, beau. D'accord. La beauté se trouve dans la simplicité. D'accord. C'est orange. L'artiste Nicodème. Oui, oui. Okay. L'artiste Nicodème est de quelle commune? Je suis dans la commune de Goma. De Goma. Église Kanisa Lamungu. D'accord. Oui, oui. Alors, l'artiste nous propose quoi? Je vous propose les rap gospel. Le rap gospel. Oui, oui. Tu as quel âge? 19 ans. Ok, yeah. On peut y aller. Yeah. D'accord. Je te suis. Yeah. Oui. Personne ne me disait de supporter la douleur que j'ai ressentie, j'ai résisté. À la tentation, t'as rapporté les punitions du péché, mais j'ai hésité. Les habits bénis que j'ai portés m'ont rendu fort, que j'ai pas pu me désister. Grâce à la croix, je l'ai remporté, son nom je vais chanter, rapper comme réciter. Sur la cause de la persévérance, rapper ses textes avec endurance. Je vis de faire de la récurrence, Dieu m'a donné de l'expérience. Au moins, j'ai réussi la délivrance, j'étais perdu de faire des dépenses. Que Dieu ne reconnaît pas de foi, en Dieu tout puissant, j'ai gardé ma foi. J'ai pas besoin d'échanger ma personnalité, sur l'enfant de Dieu, c'est ma nationalité. J'ai chanté sa gloire depuis l'Antiquité, c'est pas maintenant que j'essaierai de le quitter. Il m'a donné la force et le courage de chanter devant tout le monde et devant lui-même. Je suis fier de sa grâce et sa puissance. Ça protégea ma famille, mes potes. Les pensées qui m'ont dépassé, mon intimité, ni les chines à coups de pensée. J'ai clashé, j'ai pas déclenché ce que j'ai fait tout le temps comme un étranger. Mon capenda mouni calculé, mon tato kameno si ta sabanane, kenda kumi, mon bonnet, mon coup, ça n'a pas la mina, son gambé, le mina, l'état, mais lequel est mingi, ça n'a si ton a coupinga. Cher Dieu, tu m'as donné la vie entière et la bonté. Personne déchire mon cœur de pierre et fait sa beauté. Mes ennemis qui n'ont pas du tout le pouvoir de salir ta beauté. Mon ami, c'est toi qui m'as donné l'inspiration de chanter ta bonté. J'en suis pas pépère, mais en moi, j'en fais pas refaire. La défaite m'a réclamé forfait quand Jupiter était sorcier. La sorcellerie me déteste. Fais gaffe, t'as fait n'importe qui me blague. Fais pas taf, négro dans le kim. C'est son temps qui me ralentit dans ce game. Veli. Yeah. Wow. C'est tout? Oui, c'est tout. Je t'applaudis. J'aime l'énergie, au fait. Yeah. Bon, la coach Harley a déjà le verdict. Tu vas vers elle et elle te donne l'enveloppe. Quand tu auras l'enveloppe, elle te fera un beau sourire. Ok, donne-lui ce beau sourire. Que Dieu te bénisse. Orange. Les candidats de Goma ont été surprenants. Nos membres du jury n'ont pas eu de tâche facile. Entre les couleurs rouge et orange, quels candidats ont décroché la bonne couleur? Le talent, quand il est là. Hein. Mais pour aller défendre leur province à Kinshasa, je sais que je vais passer à la prochaine étape. Il faut souffrir le passage dans la deuxième phase des auditions, la bataille des oranges. C'est la même chose. Vont-ils récidiver leur prouesse dans cette seconde phase? Mesdames et messieurs, place à la bataille des oranges. Kalonda, ça va? Ça va très bien. Oh, content de te revoir. Tu es prête pour la bataille des oranges? Oui, je suis très prête. Tu es très prête. Alors, dès que tu te sens à l'aise, tu commences. Ozali Katina biso na tondi yo ozali osala nesiku yo na tondi Yoza, Osalinze, Osalina Bikam, Bombia Bilak, Mwinda Nabomon, Yahweh, Yangonde, Yoza. Mosalinze, Osalina Bikam, Mobombia Bilak,
Mwinda na bomo yawe yango ndi yuza. Oh, 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 oh. Elonga ezali ya Yesu, elonga ezali ya e. Oh, merci. Écoute, très belle voix. Tu vas attendre avec tes collègues le résultat. Le résultat, et reste positive. On nous a demandé de rester positif et attendre les résultats. Ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Très bien. Nous t'écoutons. D'accord. Tunakupa sifa na heshima, twainua mikono yetu kutukuza jina lako. Tunakupa sifa na heshima, twainua mikono yetu kutukuza jina lako. Wewe ni mkuu, watenda maajabu. Wewe ndiwe wa pekee. Wewe ndiwe wa pekee. Alice, très belle prestation. Merci. J'ai remarqué quelque chose d'important chez toi, au-delà de la voix, c'est ton regard. La plupart des candidats qui entrent ici, quand ils ouvrent les yeux, c'est pour voir les réactions du membre du jury, mais toi, c'est le contraire, c'est pour communiquer quelque chose. Garde ça, c'est une force pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ben Lubongera, ça va? Ça va bien, papa. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu t'es préparé? Oui. D'accord. Tu peux commencer. Oh Yahweh, yakakati abomuinanga, molili eluti minginga na koko kate. Oh Yahweh, yaka kati ya bomo inanga, oh lili, eluti mingi ngana koko kateo, bitumba eleki nalibota, nasengio navinanga. Oh, 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 Yahweh, Yakae, Molili, Eluti mingi na koko kateo, Yah, Uzali wapi, Uzali wapi, Ozali wapi nzambe? Oh, napesi yo motema nangai, osalela yango, Yahweh. Merci, merci Ben. En fait, oui, il y a une grande différence. Comment on a kunye mina fiki aleo et kwa facile. Si quoi on a dû akama na mi et déjà quoi recruter ou batu ya Orange, mais gisi mina fiki ya a pas vraiment nashukuru Mungu. Ça n'est quoi facile, mais vraiment nashukuru Mungu.
Jocelyne Bitsibou, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. J'espère que tu t'es préparée pour la bataille des oranges. Oui. L'autre fois, tu stressais, mais cette fois-ci, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas droit à l'erreur. Quand tu seras prête, tu commences. Oui. Seigneur, tu es la force, amour qui brille en moi comme une flamme. Tu es les chants que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais les sujets de me louer. Oh, Seigneur, tu es la force, amour qui brille en moi comme une flamme. Tu es les chants que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais les sujets de me louange. Où sont les cachets? Oh là 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 là. Peu importe, on ne lui donne pas. Jossi, t'as quel âge? 18 ans. Est-ce que tu sais qu'au-delà de la belle voix, tu as vraiment la chose de Dieu? Tu nous transmets quelque chose. Waouh. Tu es les chants que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais les sujets de me louer. Jocelyne, est-ce que tu peux sortir? Sors, va-t'en, va-t'en. Je peux te voir ici. Sors, toca. Oh, Yeshua, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour m'est si fier, tu m'es si fier, mon ami. Tu m'es si fier, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta présence m'est si fier, tu m'es si fier, mon ami, tu m'es si fier, mon ami, mon ami, yeah. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, yeah. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Yeah. Merci, merci Georges, que Dieu te bénisse. Tu peux y aller et tu recevras la réponse du jury. Je pense que la chanson que j'ai prestée, comme je l'ai travaillée vraiment avec dévouement, et puis et patience aussi, je crois que je peux franchir l'étape, la prochaine étape, si Dieu le permet, bien sûr. Nicodème, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très tu bien. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu peux commencer. Oui. Vas-y. Yeah. Gospel. Ok. Je chante ces textes et ce Dieu qui vient de m'inspirer. Je chanterai sa gloire aux gens qui veulent désespérer.
C'est pas par hasard que je suis en train de respirer. Il m'est dans la vie malgré que je suis le plus peureux. Les rap conscients dans les gospels, ça n'existait pas. Soit les conscients, soit les gospels, tu dois faire un choix. Et comme Dieu m'admire, il a béni les rap conscients. Et comme les gospels est en moi, j'en suis reconnaissant. Malgré tout le péché que j'ai fait, laisse-moi me confesser. Je sais que si je le fais pas, tu vas tellement me rabaisser. Dieu nous aime tous en sachant que personne n'est parfait. C'est son amour qui fasse qu'on soit jamais l'un parfait. Nicodème part à l'église, maman me l'a répété. J'aime partir pas pour moi, mais parce que je la respectais. Après des jours, elle a fini par me suspecter. En me demandant pourquoi, fils, tu veux faire tout péter. J'en savais pas trop quoi dire, je suis resté silencieux. Tu sais même pas que c'est grâce à lui que t'es licencié. L'œuvre là t'étais pris, que son nom soit sanctifié. Et tu seras pardonné, tes péchés seront momifiés. Jusqu'au bout, je vais te suivre en écartant les péchés. Dans ma vie, t'es mon unique sauveur et ta parole, je vais prêcher. C'est ta parole qui me réconforte. C'est quand j'ai lu la Bible que je sens que je veux bien franchir ta porte. Jusqu'à la gare, on te suivra parce que t'es le roi des rois. C'est toi le loup de la jungle, voilà qu'on te loue. Avec les parchemins, j'ai compris que tu suis mon chemin. Récolte ce que t'as semé, merci, Nicodème. Merci Nicodème. C'est à qui le son? Le morceau, c'est pour moi. C'est à toi le son? Oui, oui. C'est à lui? Oui, c'est à moi. Va-t'en. Bravo Nicodème. Bravo. Bon, elle est dite une bataille, ce n'était pas vraiment facile. C'est une bataille, on a pu faire ce qu'on a fait et nous attendons seulement les résultats. Grâce, tu sais ce que tu venais faire ici? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Vas-y. Il
Yvonne Fatouma, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, j'espère que tu nous ramènes des bonnes choses. Exactement. Alors, commence. Mmh. Vas-y. Yo zalinza mena mawa ngana tato lingolu nayo bolingo nayo bonanga yetindi nanguma milayo kolo yo lingi ngamingi na moni yango na bomoi nanga wana nazala kibitele ngano yo lokutaki ngayo soko lingai yo komisi ngai mwana na yo Merci beaucoup Yvonne, merci. Dieu te bénisse. Amen. Tu pourras attendre la réponse du jury. Oui, par rapport à la prestation précédente, j'ai aimé ma prestation d'aujourd'hui parce que j'ai enlevé la terre. Je me suis dit, je dois bien chanter aujourd'hui. Eh bien, j'ai aimé, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai senti que j'ai bien presté. Aujourd'hui, j'aimerais que tu exploses encore plus qu'avant, d'accord? Tu sais que c'est pour ça que tu es venu. Ah oui, je vais essayer par la grâce de Dieu. Zahambi bate la kakai Tango nyoso, mikolo nyoso Wana eko tambo la kanungana mokili Sali sakanga kolo loboko na nzambe royo eko makabi sika ya bato eko komakate wana eko tambolaka nangai sali sakanga kolo Yesu Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali mokonzi nangai, Yozali mosungi nangai, oh, Nakobangelo kote, bitumbo yo eye makasi. Na tangana makomi esikolo baki nanga nazamu tu nazamu kila teo eyana tongo eyana pokwa. Merci charité, merci charité. Tu feras comme les autres, tu attends les résultats. Dieu te bénisse. Jambo Yenu. Jambo. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Maman Anto, la coordonnatrice du projet Majavu Talent. Je vais m'acquitter d'un agréable devoir ce soir, celui de vous remercier, remercier nos candidats d'avoir répondu à ce grand concours ici dans la ville de Goma et aussi à la famille, les parents, les grandes sœurs, les grands frères qui avaient donné l'occasion à vos fils, à vos frères, de participer à ces grands concours. Je vous dis merci de tout cœur. Alors, nous allons procéder à la remise des résultats.
mais j'aimerais d'abord me rassurer juste que j'ai mes candidats ici présents. Quand je cite ton nom, tu lèves juste la main et puis après on va continuer. Alice, Charité, Grâce, Jocelyne, Nicodème. Ok. Vous nous avez tous épatés par votre façon de chanter, par vos styles de musique. Mais est-ce que cela suffit pour être les gagnants qui ira à Kinshasa pour compétir avec les autres candidats des autres provinces? C'est la grande question de ce soir. Voilà la raison pour laquelle je vais donner la parole au pasteur Yannick, qui était aussi membre du jury. Il va procéder à la remise de résultats. Bonsoir. Bonsoir. Comme Maman Anto l'a dit, nous sommes dans une compétition et nous savons tous que dans une compétition, il y a toujours des gagnants. Il y a aussi ceux qui ne gagnent pas, pour ne pas dire des perdants. Alors, nous avons eu toute une grande liste et sur les 5 qui sont cités, nous n'avons choisi que 3. C'est-à-dire 3 noms seront cités ici. Alors, nous prions à toute la famille et à tous les candidats de ne pas nous en vouloir, mais de comprendre et de prendre cette histoire avec beaucoup d'élégance. Et comme Maman Anto a dit, c'est toute la famille Madjabou qui vous remercie d'avoir participé à cette compétition. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons comprendre ces choses dans ce sens-là. Le premier candidat qui a été choisi, lorsque je citerai ton nom, tu avances d'un pas et demi. Et les autres, je nous prie seulement d'encourager ceux qui vont aller nous représenter à Kinshasa, nous, la ville de Goma. Le premier candidat, Charité. Le deuxième candidat, c'est Jocelyne. Et le troisième candidat, il s'agit de... Vous allez tous à Kinshasa! Comprendre qu'ils étaient à 3, mais ce sont eux, nos 5 candidats. Vous êtes ceux qui allaient défendre la ville de Goma et de Beni à Kinshasa. Alors, soyez fiers de ce que vous êtes. Au-dessus de tout, soyez les meilleurs supports de vos enfants, de votre famille. Et ces enfants comptent sur vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les 5 candidats choisis à Goma. Ce que nous allons faire avant de nous réjouir encore, ils vont juste s'agenouiller et nous allons prier pour eux. Chers parents, élevons nos voix et prions pour leur destin. C'est un long chemin qu'ils vont parcourir. Seul Dieu a un projet de bonheur pour leur vie.
prions dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu, éternel Père, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce choix. Merci Père éternel, mon Dieu. Nous prions, ô Dieu, que ta main les accompagne. Nous prions, Seigneur, que le plan de bonheur que tu as pour leur vie, Seigneur, se réalise. Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons trois fois Amen. 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 Félicitations à vous. Félicitations. Je remercie d'abord le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de participer à ce casting pour l'instant, à ces auditions. Et je dis aussi particulièrement merci à papa et aussi à maman, bien qu'elle n'est pas ici présente, de m'avoir accompagnée, de m'avoir donné l'occasion d'être ici. Je peux le dire personnellement, j'ai raté certains cours et tout ça, mais ils ont accepté tout ça pour m'aider encore à me propulser, à aller plus loin vraiment. Je dis merci. Je dis aussi merci à ma grande sœur aussi, qui m'aidait aussi souvent à faire des choix. J'étais dans l'embarras, je me disais qu'est-ce que je dois chanter, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Elle m'a aussi accompagnée. Mais également le président et la sœur et l'autre qui ne cessaient de m'encourager. Ce qui est sûr, je n'étais pas la seule dans la paroisse, mais ils nous ont fortifiés, ils nous ont booster encore à aller plus loin. En tout cas, je dis merci. Merci, merci. Premièrement, c'est l'appel de Dieu. Et deuxièmement, parce que Madia vous m'a appelé. Et je voulais aussi partager ce que j'ai à Madia. J'étais paralysée. Et maintenant, je ne me tiens pas vraiment debout, avec force. J'utilise ça pour me soutenir. Merci. Merci. Soirée pleine d'émotions, de surprises et de musique. Face aux nouveaux membres du jury, les candidats de la ville de Goma se sont avérés être des véritables artistes. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous suivre sur les canaux 83 TNT, Majabu TV et sur toutes nos chaînes partenaires. Retrouvez cette émission et toutes les émissions passées de Majabu Talent sur notre chaîne YouTube, Majabu Gospel. Laissez-nous un commentaire sur Facebook, Twitter ou Instagram. Rassurez-vous, ça nous fait énormément plaisir de vous lire. Je vous retrouve la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Pleurs et malheurs accumulés, mais nous gardons l'assurance que nous nous souvenons du malheur et il y a le toujours de la délivrance. Goma, nous sommes de cœur avec toi et t'annonçons qu'arrive une saison de joie. Psaume chapitre 34, verset 20. Natongo ya lelo na lamuki na mosika ninga na zako yoka. Suffisait pas au-delà de tout ce qu'on endure déjà. Natongo yelo na lamuki na mosika ni na zoyoka. Les pleurs des uns, les cris de certains, Nali Anjuya Inchi et tout, Goma Nalingi Oyeba. Nalingi Oyeba. Nalingi Oyeba.
kete possible de retrouver la joie qu'on a perdue. Zamazanamazali. Don't give up, no, don't give up, yeah. Corps qui souffre avec elle. Nous sommes communs.